Alors, les trichoptères sont des insectes qui sont présents dans la plupart des rivières de la planète. C'est un insecte donc très, très, très fréquent et qui a la particularité de fabriquer un tube de protection avec des matériaux qu'il emprunte dans son milieu. Donc, en général, des cailloux, des petits morceaux de bois, des feuilles et parfois même des coquilles d'escargot. En me disant, je connais cet animal qui fabrique un tube artificiel avec des matériaux qu'il trouve autour de lui, et j'ai appris grâce à ses amis que l'or était présent dans la rivière. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce que l'animal, la nature, aurait le choix? Est-ce qu'il pourrait prendre de l'or? En tout cas, moi j'ai décidé dans une structure artificielle, dans une sorte de laboratoire, de lui donner cet or, et l'animal n'a pas eu d'autre choix que de confectionner son étui avec l'or, puisque je l'ai privé de tous les autres matériaux. Le travail avec les trichoptères est un travail de collaboration entre moi et les trichoptères. Et disons que je crée les conditions favorables pour que les talents du trichoptère puissent éclore. Je crée les situations et je suis un peu comparable à l'architecte qui fait travailler les maçons. Comment les idées me viennent? Le problème, c'est que je ne sais pas comment elles viennent.